Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des arômes asiatiques très originaux, les arisem ou arisaïma, donc qui proviennent donc des contreforts himalayens ou du Japon. Ces vivaces bulbeuses très originales sortent de terre au printemps, très rapidement à partir du mois de mai, de l'ordre de quelques centimètres par jour comme vous le voyez ici, et partent pour 3 mois de végétation avec un feuillage exotique assez luxuriant et surtout une floraison qu'on appelle spathe. Très original en forme de tête de cobra qui justifie pleinement leur nom de cobra lily en anglais. Alors, ces tubes ont différentes formes. Hein. Vous pouvez avoir des tubes noirs comme sur cette variété, des tubes blancs panachés de vert, des tubes blancs. Les tailles sont également variables. Hein. Vous pouvez avoir des grands sujets jusqu'à 80 cm, 1 mètre et des variétés beaucoup plus petites comme celle-ci. Une de mes préférées, c'est cette variété japonaise. On remarque ce spathe très contrastant avec un tube violet et un centre blanc pur. C'est la variété Sicco Kianum. La culture peut être un peu difficile. Alors, elles sont très rustiques, de l'ordre de moins 15 degrés. Il faut simplement les protéger de l'humidité hivernale qui peut être un danger pour ces bulbes. Vous trouverez toute cette sélection différente, jusqu'à une vingtaine de variétés, sur notre site à l'ombre des figuiers.com.